Alors Didier, j'ai une petite devinette pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 3 500 €? Un beau voyage? Ouais. Une montre? Oui. Un grand cru? Oui. Mais une voiture aussi. Une voiture pour 3 000? Mais une voiture d'occasion? Non, une voiture neuve pour 3 500 €. Écoute, figure-toi que je t'ai trouvé ça. Une voiture neuve pour 3 500 €? Écoute, je te la montre. Hop. Et voilà, la Renault Kwid. La Renault Kwid. La Renault Kwid. C'est une voiture que tu vois pas chez nous puisqu'elle est fabriquée et vendue aux Indes. Elle repose sur la plateforme CMFA qui est la plateforme modulaire de l'Alliance sur les petits véhicules. Et comme tu le vois, c'est un petit crossover urbain. C'est plutôt sympa, non? Alors évidemment Didier, à ce prix-là, tu te contentes de simples roues en tôle 13 pouces. Ça fait longtemps qu'on en a pas vu des comme ça. On voit même les boulons. Exactement. Des bons vieux boucliers en plastique. Mais ils ont pas oublié de mettre une pièce ici, on dirait qu'il manque quelque chose. Bah alors comme tu le vois, hein, t'as aucun insonorisant, parce qu'à 3 500 €, tu peux pas tout avoir. Mais en termes d'équipement, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'antenne, enfin et... Ça, elle l'a pas. D'accord. Le coffre, eh ben, tu vois, c'est à l'ancienne, je n'ai pas de condamnation centralisée. D'accord. Ça, elle l'a pas. L'essuie-glace arrière? Elle l'a pas non plus. Le dévivrage arrière? Elle l'a pas non plus, malheureusement, tu vois, on n'est pas chez Peugeot. Est-ce que je peux aller voir l'intérieur? Bah, évidemment Didier, fais-toi plaisir. Ah mais c'est génial! Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de commande, c'est une voiture autonome. Ils font les trucs super bien chez Renault. Mais non Didier, c'est une version pour le marché indien et donc évidemment avec conduite à droite. Ah oui. Bon allez, on va faire un petit tour maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ah bah, ce que j'ai oublié de te dire Didier, c'est que cette voiture, elle a 0 étoile au crash test Euro NCAP. Donc moi je tiens quand même à mon intégrité physique et mentale, donc je m'équipe. Bon bah dans ce cas je vais te laisser faire un tour tout seul parce que moi je suis pas équipé. Eh bien écoute ça marche, mais est-ce que tu peux me laisser ta patte de lapin s'il te plaît? Je te laisse ça, j'ai aussi un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles. Allez, avec grand plaisir. Bon, je vais quand même pas pouvoir conduire avec ça. À l'intérieur évidemment, on oublie tout ce qui est plastique moussé, même si les matériaux basiques sont plutôt bien assemblés par rapport au prix de la voiture. J'ai quand même le droit à une climatisation. Et comme je suis un grand mélomane, comme je n'ai pas de radio, j'ai tout prévu. Ah oui, mais par contre, j'ai oublié les piles. C'est ballot. Sur le combiné d'instrumentation de la Kwid, que l'essentiel. La vitesse, le kilométrage, le niveau d'essence et les alertes. Mais finalement, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Donc le petit moteur, le petit 3 cylindres 800 cm3 de 54 chevaux en ville, il est plutôt à son aise. Grâce au poids réduit de la voiture, il est vraiment pétillant et se montre suffisamment tonique pour donner du plaisir et pour s'insérer facilement dans la circulation. Mais une citadine, ça doit aussi se garer facilement et en l'absence de direction assistée, il va falloir que je fasse un petit peu de musculation. Hop, hop, hop. Avant d'aller faire un créneau, mais là, je suis paré, c'est parti. Avec une telle météo, il va forcément falloir être beaucoup plus prudent encore que sur une voiture classique. La bonne chose, c'est que vous avez beaucoup moins de chances de faire crépiter les radars automatiques qui pullulent dans le coin. Alors, comment ça s'est passé ? Mais écoute, vivant, je suis vivant, donc c'est déjà une bonne nouvelle, enfin du moins je l'espère. Bah, la voiture, qu'est-ce que je peux te dire? C'est qu'elle est... Bon, c'est tout à fait conduisible, à condition de rester raisonnable. C'est une voiture qui n'est pas forcément désagréable, c'est plutôt rigolo. Après, effectivement, pour la France, il faudra avoir un arsenal sécuritaire un petit peu plus élevé. Donc ceinture pyrotechnique, ABS, airbag, j'en passe, c'est les meilleurs. Et aussi un moteur un petit peu différent parce que ce petit 800 cm3 il passe pas les normes chez nous. Donc je pense que le moteur de la Twingo 1 litre SCE, si je dis pas de bêtises, sera très bien dedans. Bon Didier, cette voiture, on va pas la voir chez nous d'ici 2 ans. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et si on la ramenait d'où elle vient? C'est pas une bonne idée ça. On a les moyens en plus. Pour 3 500 €, ouais. On peut se payer le voyage. Allez, on rentre aux Indes. Allez, c'est parti. Allez, proche de l'étang d'Ory.